Salut à tous les amis, c'est Danton Bullet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième partie du quatrième épisode de ce Let's Play sur Assassin's Creed Origins. Alors oui, deuxième partie, pourquoi? Parce que ben, la première partie, le début du quatrième épisode fut un petit peu particulier. On est arrivé dans le présent et finalement il y avait pas mal de documents et vu que je suis quand même assez curieux, j'ai passé du temps à lire les documents, tout ça. Bon, j'ai fait des coupures, mais du coup je vous ai quand même expliqué certaines choses qui pour moi semblaient avoir une quelconque importance, voilà. Donc du coup, on a perdu un petit peu de temps vidéo précédente et j'ai préféré écourter et voilà qu'on se retrouve sur des basses scènes. On va regagner l'animus, donc J'y c'est retourne. reparti. Je kiffe trop ça. Et ben nous aussi. Sois prudente. Allez, du coup, c'est parti pour la deuxième partie de l'épisode 4. Alors après, vidéo précédente, donc là, pendant la première partie, j'ai évoqué la possibilité que Leila, donc la personnage qu'on joue dans le présent, ait vraiment un lien de parenté direct avec Bayek, sans le savoir. Ça ne me surprendrait pas, et bon, du fait que bon, elle soit modélisée comme ça, je trouve qu'il y a quand même une certaine ressemblance. Alors c'est peut-être moi qui me fais une idée, mais pour moi il y a une ressemblance. Et en plus de ça, bon, elle est basanée et tout. Son nom de famille c'est Hassan. Bon voilà, elle est clairement pas originaire de Clermont-Ferrand. Bon. Et boum! Assassin's Creed Origins! Faubourg d'Imou. Magasin. Oui, on veut votre argent. Les secrets des premières pyramides. Je dois protéger ces terres. Aya est partie à Alexandrie, à l'île du Serpent. waouh, non, 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 waouh. Il me sort des quêtes de fou. Principal, annexe. Alors, niveau suggéré, 23. Non. Clairement, non, je n'irai pas. Promesse de Bayek. Principal. Niveau suggéré, 10. Ok, on va activer celle-là pour l'instant. On va regarder la carte. Ah, on peut faire un petit demi-tour. Voir ce qui se passe ici. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut se faire. Ah oui, bah clairement, je vais faire un demi-tour. Ah, quête annexe, niveau 6. Ouais. Là, on est où? Est-ce que j'avais raison? J'avais raison. En tout début d'aventure, on avait regardé la carte et j'avais deviné, et c'était pas compliqué, qu'on allait à un moment donné, hop, être téléporté via une pirouette scénaristique dans cette zone-là, et ben ça a pas manqué. Ok, bon, et ben du coup, je vais faire un petit demi-tour. Là, visiblement, il n'y a pas grand-chose. Je vais juste faire un petit demi-tour. On va fouiller ici. On va aller synchroniser ici. On va passer par là. Faire cette quête annexe. Et petit à petit, l'oiseau va faire son nid. L'expression à la con. Et on va aller, bah, forcément, quête principale. Ok, donc c'est parti. Je vais les trouver. Imu. La ville de mon vieil ami Menet. Il doit être dans le temple. Comme toujours. Nouveau lieu découvert, repère de bandits de la nécropole. Ok, je vais pas faire le fou. Je rappelle qu'on a toujours pas la lame d'assassin, hein, donc là clairement, je peux pas faire de vrai assassinat aérien. Ouh là là. Ouh, mais c'est que c'est le bazar. Salut. Allez, c'est foutu.
Ouh là là, niveau 6. Là, ça pique un petit peu plus. Alors, je me demande si, étant donné qu'ils sont un petit peu plus haut level, est-ce qu'ils donnent pas des ressources un petit peu plus intéressantes. Bon, par contre, clairement, mec. Hop, 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 hop. Oh, mais est-ce qu'il y aurait pas un animal là-dedans? Ouais, c'est vrai qu'il faut que je pense aussi à verrouiller les cibles. Bon, ça devient n'importe quoi là, c'est quoi là? C'est French Cancan? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, je tape dans les cailloux et tout, c'est n'importe quoi. Allez, arrête! Oh, je vais mourir! La tristesse du gameplay! Wow, bah ouais, des synchronisations, non mais. Bon! Alors, déjà, je vais m'asseoir. On va essayer de se concentrer. Je veux ce qu'il y a dans cette zone. Je suis désolé, ils sont niveau 6. Je vois pas pourquoi je galérerai. Allez, c'est reparti, mon kiki. Alors, du coup, dans cette cage, il n'y a rien. Ah, il y a une tête de mort quand même. Ok, lui, il m'a vu. Mais est-ce que ça sollicite sa curiosité? Non. Ok. Comment je peux faire? Il n'y a pas de bestiole là-dedans. Bon, il a visiblement l'air attiré par ma présence. Wow, il y a des chameaux et tout là-bas. Ah, c'est bien fait. Bon, je suis un petit peu bloqué là. Tentez un truc. Ah, il s'en va. Ok, bon. Ouais, il vient de voir son collègue à terre. Vas-y, approche-toi vite là avant qu'il se retourne, lui. Parce que je sens que c'est ça qui... Ah, en plus, il est niveau 8, c'est pour ça qu'il m'a dérouillé. Parce que j'ai pas du stuff de niveau 8 finalement. Hein. J'ai un petit peu de stuff, mais je suis pas censé me bastonner pour le moment. Pour le moment, je suis censé avancer, récupérer de l'équipement. Clac. Yes, j'ai récupéré une hache. Ok, là ils sont deux. Ah, pourquoi il y a une tête de mort ici? Oh là là, oh là là, oh là là. Tant qu'ils se séparent, franchement, pas de choix. Hein. Bon, je vais me faire griller à 4000 km. Ouais, voilà. Tu n'as rien vu, rien entendu. Ok, bon, bah, écoute. Ah, par contre, est-ce que ce serait pas les collègues qui reviennent... de la chasse? Yes, niveau supérieur, on a fait ça dans toute tranquillité. Bon, il y a de la ressource. Alors, je me méfie parce que ça se trouve, la zone n'est pas totalement nettoyée. Hein. C'est quoi cette tête de mort là? Moi, je pense que là, c'est les collègues qui reviennent. Examiner. Venger Godzilla. Je pense que c'est... Je pense que c'est un petit clin d'œil. Il me semble que c'était Ubisoft qui avait fait le jeu Godzilla. Enfin, peut-être pas, mais... Alors, attendez, tuer le capitaine, piller le trésor. Donc, on a un objectif de lieu. Annexe. Et ben voilà. Ah non, eux, je pense pas que ça soit des pourris. Hein. Ben voilà, c'est bon, ils sont...
Ah, il faut que je les tue. Ah, confirmer la mort. Ok. Pigé. Ah, les mecs sont pas vraiment morts finalement. Ils sont juste assommés. D'accord. Mais c'est bien, on fait une petite quête secondaire comme ça. C'est cool. Yes! C'était gratuit quand même. Ah, alors est-ce qu'il y aurait pas ramassé torche? Et elle s'allume toute seule. Impeccable. Non! C'est quoi ce bruit? D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah. Un petit document, je suppose. Je te fais venir un paquet qui contient des dizaines de livres. Bon, ouais, tout ça après, bon, c'est intéressant, mais c'est vraiment pour rajouter du. C'est pour rajouter un petit peu de vie à l'open world, mais c'est pas non plus d'une importance cruciale. D'accord, lieu terminé, impeccable. Allez, on se casse d'ici. On va aller se synchroniser. Ouh là là, une tempête. Une tempête, nom de Dieu. Est-ce que je risque pas un petit peu ma vie si je me pointe dans la tempête? Un peu quand même, hein. Ok, on va aller par là. Wow, il fait tout rouge. Est-ce qu'il faut pas que j'attende? Tout simplement. Bon. On va voir. Petite expérience. On va avancer dans la tempête et puis on va bien voir quoi, ce qui s'y passe. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que ça nous tue? Est-ce qu'on se perd? Est-ce qu'on s'évanouit? Je sais pas. Moi j'ai pas l'impression que ça pose de réels problèmes. Ok, on va peut-être appeler le cheval par contre. Non mais visiblement j'ai pas l'impression qu'il craigne vraiment les tempêtes de sable, hein. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, yes! Un mirage. Nom de Dieu. Un mirage, nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il n'y avait pas ça quand on est passé juste avant. Oh, j'hallucine, je sais pas, peut-être. D'où il... Pourquoi il y a un feu là en plein milieu du désert? Attendez, attendez, c'est un mirage, pas possible. C'est un mirage. On y va, mais c'est un mirage, hein. Pour moi, c'est clairement... Après, peut-être pas. Oula, 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 oula. Oui, il y a du monde là-dedans. Repère des Remos. Wow, 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 wow. Et je suis clairement pas prêt à me bastonner contre autant de types. Waouh, ils sont en train de s'entraîner et tout. Alors attendez, je vais faire un grand tour. Hop, 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 hop. Yes, ils se doutent de quelque chose. C'est pas plus mal. Comme ça, ça me permet de l'attirer. Par contre, toi, mec, ralentis un petit peu. Yes. Ok, et c'est impeccable. Je les emmène pile là où il faut. Est-ce que je ferai pas le... Non. Bon, il se doute de quelque chose, hein. Là, il commence à voir son collègue qui s'agite les pieds. Oula.
Ah, il y a un autre collègue en haut qui revient. On va faire attention. C'est rien, c'est rien. Oh, il a fait l'animation avec la lame d'assassin alors qu'on ne l'a pas encore. Petit défaut. Ouh là là, il y a les collègues qui reviennent. Oh là là, dans quelle merde je me suis mis. Tuer le capitaine, piller le trésor. Non, c'est bon. Et le capitaine, c'est qui finalement? Le capitaine, moi je pense que c'est ce... Ah, celui qui me fait dos. Et merde. Fail. Fail. Alors, rond pour contrer, c'est vrai. Bon, voilà, il y a le saignement. Oh là là! J'ai fait n'importe quoi, j'appuie sur triangle, je sais pas pourquoi. Putain, mais mec, arrête un peu là. Ouh, là il me mettait une flèche, je pense que j'y passais. Eh, comme quoi l'arc est super important, on peut pas se permettre de se passer de l'arc dans des situations un petit peu compliquées comme ça. Quand il faut se replier, il faut agater avec l'arc. Enfin, là, dans mon cas de figure où je suis encore un peu à poil, quoi. Yes, bon, ben ça c'est fait aussi. Eh, comme quoi, voilà, on explore et puis finalement on trouve des trucs et puis on, bah du coup, on oublie un petit peu. Il y avait un autre truc ici. Yes, c'est des flèches. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ma carte? Il y a un truc là. Allez, je vais aller me synchroniser. Non, il est là, mon canasson. Oh! Reviens ici. Allez, on va aller voir le canasson. Il y a les pyramides et tout. Hop là. C'était pour le kiff. Très bien. T'as assez ouf quand même. Oh là 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 là. Ok. Je suppose que c'est des trucs à fouiller. Tac 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 tac. En fait, ce qui me fait bizarre, c'est que c'est pas du tout des commandes propres à un Assassin's Creed de base. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant de se dire qu'on joue à Assassin's Creed, mais pas du tout avec des commandes d'Assassin's Creed. Parce que moi, taper avec R1 et tout, enfin là, c'est vraiment des commandes qui me sont pas du tout familières. Donc finalement, j'ai un petit peu de mal lors de la phase des combats. Bon, c'est un coup à prendre, je pense. Après, là, c'est vrai que pour le moment, j'ai testé qu'une seule et même arme. Mais peut-être qu'il y a d'autres armes qui me conviendraient mieux. Ok. Et le saut de la foi, je le fais où? Ça marche. Alors, c'est quoi tous ces points d'interrogation? Ah, d'accord, ok. Il y a des trucs par ici, donc là, ça a l'air important. Attendez, parce que l'objectif principal, il est par là. Franchement, si je commence à repartir en arrière comme ça, j'ai pas fini. Ouais, et surtout que c'est à Gizeh. C'est à Gizeh, c'est même pas... on n'est même plus dans la même zone finalement, donc est-ce que c'est vraiment utile? Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer cette zone et non pas les zones qu'on explorera plus tard.
Donc on va aller ici. Voilà. Et tout en restant. Voilà. Ici, on va pas y aller finalement. Ah, bien que. Niveau 6, niveau 8. On va peut-être les activer, les quêtes. On va passer par là, on va les activer. Mais voilà, si c'est sur notre chemin, c'est bien. Si c'est pas sur notre chemin, on avance et puis on reviendra. Du coup, on fera de l'exploration et tout ça. Allez, parce que finalement, je vois que. Ah, parce que s'il commence à tout mélanger, à mélanger les pots et à mettre des quêtes à des endroits où c'est pas du tout le même niveau, ça va être compliqué. Est-ce que ce serait pas un mirage ça là-bas? Les ruines là. C'est par là. J'en ai entendu parler de ce fameux linge noir là. Et je vous le dis, hein, ça pue. Hein. Par contre, je crois que j'étais censé le suivre. J'étais censé le suivre et vu que j'ai ralenti. Ah non, c'est une fleur. D'accord, donc je pense que ça. Je pense que ça réinitialise quand on foire le truc. Bon, il y a la fleur. Ensuite, il y a le linge noir qui flotte, qu'il faut suivre. Et normalement, il me semble qu'on est censé subir un truc. Mais le problème, c'est que du coup, je suis complètement paumé. Et je sais pas du tout comment on trouve ce fameux linge noir. Est-ce que c'est pas juste le pur hasard? Ouais, bref. Bon, il y a les trucs de pierre. On va s'en occuper. Ce sera fait. Allez, hop. On descend. Aligner les étoiles. Allez, ça va être Jojo, ça aussi. Est-ce que je vais prendre autant de temps que la dernière fois? Alors, ça a la forme d'un cheval. Une fourmi peut-être. Ok, allez, on va rechercher ça. Est-ce que ce serait pas ça par hasard? Les Medjay ont un devoir envers les dieux. Nous devons être forts et prêts à nous battre. Non, ça pas l'air d'être. Mais uniquement lorsque c'est juste. Je vais m'entraîner dur, Papo. Ou ça peut Je être. veux être Oui, fort et ça chasser plutôt. comme toi. Voilà. Un lion! Enfin, un tigre, pardon, n'importe quoi, un lion. Pff, le mec, il a aucune culture. Une otarie! Ouh là là! J'adore les otaries! Ok, bon, mais ça c'est fait. Alors, est-ce qu'il faut pas que je sois à pied pour suivre ce fameux linge noir? C'est ça aussi. Il y a peut-être moyen ouais. Que ça soit ça. D'accord. Ok, tac. Donc là, on change de zone, donc je n'y vais pas. Allez, prochaine destination. Allez, les impôts d'Imen. C'est parti. Le cheval. Bon, il y a une bestiole là, mais bon, on va pas non plus dessouder toute l'Égypte. Ah, est-ce que ce serait pas des ennemis à Auxir? Ok, ça me fait de l'XP, et puis voilà, après je vais ramasser de la ressource. Hein. Bon, tu saignes, mec, t'es empoisonné, comment ça se passe là?
Yes. Allez hop. On descend. On ramasse ce qui nous revient de droit. Tac. Toi tu me donnes rien. C'est pas mon cheval ça. Si c'est mon cheval. Je sais pas. Je sais pas, au pire. Ah non, ça c'est mon cheval. S'il va être jaloux, il va me faire une crise. Il va piquer ma carte bleue. Bon! Ah, on est plus dans le désert, comme ça. Attendez, je regarde la carte. Oh là là! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! D'accord. Bon. Bon, attendez, il y a une zone juste à côté. Je vais pas faire le fainéant. Est-ce que ce serait pas un campement par hasard? Oui. Je vais avoir des problèmes, je le sens. Ça commence toujours comme ça. Alors, vol stationnaire, ta... Ouais, non, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau, je me bats. Voilà, mon excès de curiosité va me tuer. Bon, l'IA du cheval, elle est un peu bizarre, hein. Le cheval qui arrive comme une furie... Maître! Cheval, il fait des sauts de ouf. Bon, après, en comparaison, ça change d'Ablette dans Witcher 3 qui est effrayé par un tout petit précipice de rien du tout. Okay. Bon, je regarde un petit peu, hein, mais voilà. Mais de toute manière, je pense que l'épisode 4 ne se terminera pas sur cette deuxième partie. Finalement, parce qu'on croise tellement de choses, on perd du temps et finalement... Enfin, c'est même pas qu'on perd du temps, mais on... Voilà, on passe tellement de temps à farfouiller à droite à gauche. En plus, je vous le dis, je suis crevé à souhait, je vois pas le temps passer. J'ai l'impression que je joue 15 minutes alors que finalement, il se passe 40 minutes. Tu refuses de le chercher, mon mari va mourir. Qu'est-ce que t'as? Mais Jai, aide-moi, je te paierai. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir, mon mari Claudios a pris le bateau pour aller voir les ruines de l'autre côté du lac. Il n'est pas revenu. Ces brutes refusent d'aider une épouse angoissée. Je t'en supplie. Je vais le chercher. Fais vite, je vais t'attendre ici. Ok. Maintenir pour suivre. Eh ben écoutez, hop. Alors, comment ça se passe? Ah, on est bel et bien dans une zone 6-8. Donc finalement, est-ce que ce serait pas judicieux de s'attaquer à cette zone avant d'enchaîner avec la quête principale? Attendez, quête. Objectif actuel. Tac, et il se trouve... Ouais, forcément, il se trouve ici. D'accord, bon. En bleu, c'est quoi? Peut-être un événement, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, on va finir d'épurer un petit peu la carte. On va activer les quêtes. Comme ça, on pourra se déplacer en toute tranquillité et on validera ce qu'on validera en chemin. Attendez, quelqu'un a-t-il vu mon livre pour sortir au jour? Qu'est-ce que c'est? Ah! Mais Jai, approche, grand guerrier!
Je vends tout ce que tu veux. Si tu en as besoin, je l'ai. Si je ne l'ai pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Rueda s'occupe de toi dans ces terres désolées. Tu n'es qu'un enfant. Comment as-tu trouvé de tels trésors? Je les ai pris dans les sables du désert. Des vaisseaux engloutis par le Nil, raffinés par les servantes des dieux. Des armes forgées dans les mines de Nubie. Des bijoux de Perse et des trésors assyriens. J'ai tout ce que tu veux. Je vois. Tu as beaucoup voyagé pour quelqu'un de ton âge. Oh, tu sais, Neb, j'ai acquis la sagesse pendant mes longues nuits dans le désert auprès de mon dromadaire. Montre-moi ce que tu as. Viens, regarde. Si tu veux, Neb, j'ai aussi des tâches à te confier. D'accord, l'icône indique l'emplacement de Rueda le marchand. Rueda propose un large éventail de marchandises très rares. Passe le voir régulièrement car son stock change chaque semaine. Ok. Chaque jour, Rueda propose une nouvelle quête afin d'aider une personne se trouvant dans une situation délicate. Réussissez dans le temps accordé et vous serez largement récompensé. D'accord. Ok, ok, ok. Identifier, tuer le voleur, niveau 15. Ok, bah écoutez, on va progresser un petit peu avant de s'attaquer à ça. En espérant que j'ai le temps de m'en occuper avant la fin de semaine. As-tu vu mon livre lors de tes voyages, Medjay, jusqu'à Memphis pour l'acheter? Non. Comment l'as-tu perdu? Des bandits. Ils venaient des dunes voisines. Quand leur chef a vu combien je tenais à ce livre, il me l'a arraché des mains. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je peux t'aider. Je n'ai pas peur d'eux. J'ai prié pour que vienne quelqu'un comme toi. Ce livre doit me réunir à l'esprit de ma femme. Te voilà, père. Nous rentrons chez nous. Mais ce Medjay va m'aider. C'est vrai? Tu vas retrouver son livre? Si par miracle tu y parviens. Merci. D'accord, faut que je trouve un bouquin. Tu sais où ces bandits comptaient aller? Le chef a dit aux autres de le retrouver à la nécropole, je crois. Nous vivons près d'ici. Je ne rentrerai pas avant que... Père, oublie ce livre. Bon, d'accord. Ok, ok, ok. Bon, allez, hop, on va se faire une synchronisation, on va découvrir le nouveau lieu. Et ensuite, je pense qu'on s'arrêtera là pour cette deuxième partie de cet épisode 4. Et on enchaînera avec la partie 3 où on essaiera de valider tout éventuellement, continuer à farfouiller un peu partout. Histoire de voir si on n'a pas loupé des trucs. Parce que là, je vois que ça commence à devenir sale, hypostyle. Quête non suivie proche. Trouver l'énigme de Papyrus. Ah! Ah! Cette fameuse énigme Papyrus. Donc ça va être dans le temple, forcément. On a un prêtre à rencontrer. Salut. On a un prêtre à rencontrer pas loin, visiblement. Ah, le papyrus est par là. Non, le papyrus il va être par là. Salut. D'accord, donc il y a une divinité, visiblement. C'est vrai que les Égyptiens avaient vraiment une tonne de divinités... ce serait bien que tu me... Ah! Est-ce que ce serait pas ça là-haut? Ok. Collecter. Terre fertile. À quelques centaines de pas au nord-ouest du temple de Sekhmet Dimou, qui se trouve près du lac Maréotis,
Un lieu vaste est idéal pour une rencontre fructueuse. Couvert de palmiers et entouré par le désert, il est ceint par une clôture de rochers sans issue. C'est là que tu me trouveras. Je crois que je l'ai vu en plus, ce truc de palmier dans le désert. Mais oui! Enfin, peut-être pas. Peut-être pas finalement. Donc, au nord-ouest du temple de Sekhmet Dimou, près du lac. Il est où le temple? Est-ce que c'est là où on est? Il est où le temple? Ah! Au nord-ouest. Donc l'ouest, nord. Alors, est-ce que ce serait pas là-bas? Là où il y a le point d'interrogation. Ce serait une zone d'intérêt. Donc finalement. Ah, vous voyez? Là on voit qu'il y a des palmiers. Là finalement je pense que c'est une impasse. Ouais, je pense que c'est ici. L'énigme elle est ici. Alors ce qu'on peut faire si vous voulez, c'est d'y aller. Carrément. On y va. Donc on va découvrir cette zone. On va dans cette zone pour voir si on trouve le fameux truc de l'énigme. Et on s'arrête là. Et la quête... Ah, bien que. Non, on va d'abord valider la quête, on est juste à côté. Allez, on va éviter de s'en mêler les pinceaux. Hop là. Putain, c'est vrai que les dégâts de chute, ils arrivent super vite. Hein. Allez, qu'est-ce que tu me veux, toi? Bayek, quelle bonne surprise! Je ne pensais pas te revoir avant des années. Paix à toi, Ménéhet. Comment va ta famille? Les enfants semblent avoir grandi à chaque réveil. Ils nous occupent beaucoup, ma femme et moi. Et toi, as-tu des nouvelles de... Non. Ah, où ai-je la tête? Il y a tant de questions qu'il ne faut pas te poser. Pardonne-moi. Je vois à ta tenue que tu as eu une promotion. Ah, oui. Le grand prêtre, grâce lui soit rendue, a fait de moi son aide. Et il n'y a pas que mon rang qui a changé. Il faut que tu vois le temple. Tu me feras visiter? Bien sûr, bien sûr. Quand il te plaira. D'accord. Rencontrer un, parler à Ménéhet pour commencer la visite. Bah ouais, allez. Prêt à voir notre magnifique temple? Je te suis, Ménéhet. Ou dois-je dire, serviteur et de la vous savez déesse. Quoi, on va terminer cette vidéo avec cette petite visite, qui j'espère ne va pas durer trop longtemps. Ce n'est plus la pitoyable ruine de ma dernière visite. Embuscade au temple. Imu accueille désormais de nombreuses cérémonies. Oh, ça va partir en cacahuète. Cela attire des visiteurs dont la bourse pèse plus lourd que la cervelle. Je vois que tu connais bien les Alexandrins. Je pote. Ça ne te pose... J'avoue que je me sens parfois mal à l'aise. Bon, embuscade. On va avoir des problèmes. Vaincu par des vauriens aussi silencieux que des fantômes. Oncle Bayek! Oncle Bayek! Bonjour, oncle. Trésor de ma vie, pourquoi n'êtes-vous pas auprès de votre mère? Soulève-moi, oncle Bayek! Ah, écoutez, il est inutile d'attaquer un homme par derrière quand on est quatre fois plus nombreux que lui, hein? Tu nous as dit qu'il fallait exploiter le moindre avantage contre un ennemi dangereux. Oui, oui, oui. Et je suis très... Dangereux! Cachez-vous bien, le vagabond va vous traquer. Oh là là, mais non. Ah, faut appeler le piaf. Bon, très bien. Allez, deux, une. Ah! D'accord. C'est embêtant. Allez, on passe par là.
Bon, du coup, ouais, je fais vite fait cette quête et puis on s'arrête là et on se retrouve très vite pour la troisième partie. Hop, 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 hop. Asina, je veux que tu descendes de là. C'est un bon endroit pour regarder les étoiles. Seuls les prêtres ont le droit de venir ici. Tu le sais. Monstre, tu vas mourir de la main du puissant gladiateur Cerise. Oh, niveau 6, la hyène. Cerise, recule! Bah, Cerise. Ok, suivant. Putain, mais la théorie du chaos, quoi. En deux secondes, ils se sont retrouvés dans des situations complètement sordides. Je voulais me cacher, mais maintenant je peux plus sortir. J'ai peur. Calme-toi. Je vais t'aider à sortir. Et on fait quoi du coup? Ah, il faut peut-être que je trouve une corde ou. Ah, la corde elle est juste là. Non? Comment on fait? Ah oui. Non. Non, c'est une. Ah. Par ici. Merci, oncle Bayek. D'accord, ok, bon, suivant. Hop là. Rentre vite voir ta mère. Elle doit s'inquiéter. C'est vraiment, ça a vraiment de la gueule quand même. Tu m'as trouvé. À toi de te cacher. J'ai retrouvé tous les enfants. Ce qui se passe au marché ne dépend pas de moi. Adresse-toi au marchand qui t'a roulé. Prêtre, tu n'as rien à envier à la pourriture de tes momies. Menehet, la progéniture est en sûreté chez toi. Merci, mon ami. Qu'est-ce qu'il avait contre toi? Les visiteurs venus acheter des objets religieux sont mécontents lorsque notre village n'a plus de chats morts à vendre. Je ne suis pas marchand, mais c'est souvent sur moi qu'ils viennent passer leur nerf. Il va falloir que je règle ce problème. Quête terminée. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous dis à très vite pour la troisième partie de cet épisode 4 sur ce Let's Play d'Assassin's Creed Origins. A très vite tout le monde. Ciao, ciao!